tu es celui qui a été promis. Tu es celui qui est descendu en la Vierge Marie. Tu es celui qui l'a épousée telle qu'elle était. Tu es celui qui est descendu sur les apôtres. Oui, Saint-Esprit, tu es celui qui nous a été promis depuis des siècles. Alors, Paraclet de Dieu, en ce matin, nous te voulons et nous te désirons. Nous voulons que tu viennes te mouvoir dans chacune de nos vies, Saint-Esprit. Shalom à toi, bien-aimé. Paix et joie de là où tu te trouves. Paix et joie à toi, porteur de grâce. Nous sommes encore réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toujours en unisson de cœur et d'esprit avec tous nos anges et avec tous les saints et les saintes du ciel. Alors en ce matin, bien-aimé, il est question d'inviter le Saint-Esprit. Il est question de le désirer au plus profond de nous. Il est question de demander au Saint-Esprit de venir nous aider à davantage être disposés et disponibles à pouvoir accueillir l'Emmanuel de nos vies. Il est question de laisser le Saint-Esprit nous orienter. Il est question de laisser le Saint-Esprit prendre possession de nos pensées. Il est question de laisser le Saint-Esprit nous embraser de son feu divin. Il est question de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle total de nos pensées, prendre le contrôle de nos vies. Il est question d'inviter le Saint-Esprit dans nos foyers, dans nos familles et dans nos nations. Il est question de demander au Saint-Esprit de venir encore en ce matin nous aider à véritablement être agréable pour la venue de l'Emmanuel. Il est question tout simplement de laisser le Saint-Esprit habiter en nous. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Tu as été promis, Esprit de force. Tu as été promis, Consolateur, Saint-Esprit. Il agit puissamment.
gloire de Dieu. Alors bien-aimé, je t'invite à lire ces paroles. Il est là parmi nous pour la venue de l'Emmanuel. Il est là parmi nous pour accueillir l'Emmanuel de nos vies. Il est là, le Saint-Esprit qui nous a été promis pour visiter nos foyers. Il est là, le Paraclet qui nous a été donné par le Père et qui a épousé la bienheureuse Vierge Marie pour nous aider à véritablement être dans les dispositions qu'il faut pour accueillir l'Emmanuel. Alors bien-aimé, en ce matin, laisse tout simplement le Saint-Esprit t'envahir. Laisse tout simplement le Saint-Esprit t'inonder. Laisse le Saint-Esprit te remplir de ce qu'il est, te remplir de la présence de l'Emmanuel. Laisse tout simplement le Saint-Esprit te guider sur les sentiers de l'Emmanuel. Laisse tout simplement le Saint-Esprit prendre le contrôle total de ta vie, de par tes pensées. Laisse tout simplement le Saint-Esprit te mener dans la barque de l'Emmanuel. Laisse tout simplement le Saint-Esprit se saisir de toi, se saisir de ce que tu es, se saisir de tes pensées. Et en ce matin, tu déclares avec moi, il est là parmi nous. Il est là et il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là et il agit puissamment pour nous aider à accueillir le Messie. Il est là tout simplement, tout comme la Vierge Marie, que nous puissions l'épouser tel qu'il est, au-delà du sensationnel, l'épouser tel qu'il est. Il est là, il est là, il est là, il agit puissamment. Alors je t'invite à davantage demander et demeurer dans la présence du Saint-Esprit. Demande-lui réellement tout au long de cette journée et des jours à venir qu'il te rende disponible et disposé, tout simplement. Avec tes mots, soumets-toi tout simplement à lui. Donne-toi tel que tu es au Saint-Esprit. Fais monter des soupirs, fais monter des prières, fais monter même un autel d'adoration, de louange.
selon ce qu'il te donnera de faire. Et c'est dans cette mouvance du Saint-Esprit que je te souhaite de passer une agréable et sainte journée. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.